valeur républicaine, démocratique. C'était le défi pour nous-mêmes en Haïti. Malheureusement, y échouer. Et les troubles qui prévalent maintenant ne sont dans l'intérêt de personne. Et en tout cas, pas du mouvement, du défi tel qu'il a été imaginé, qui devait être contre la corruption, contre l'opportunisme politique et surtout contre la politique à la papa, la politique à la coupe-tête boulekaï, la politique à la crasi-brisée, qui n'est pas la politique, qui est le chaos, qui est toujours une forme régressive de refuser justement le débat. Donc, quoique il le lit temps pour que dans le pays ça, nous faisons effort de maturation qui est dans le droit fil de la tradition de notre indépendance. Et justement, on m'a dit, 215 ans après Vertières, nous pourrions entrer à nouveau dans l'histoire en donnant l'exemple d'un peuple discipliné et déterminé. Donc, si vous comprenez, le mouvement ça, qui la cause de l'activité paralysée, c'est un mouvement politique. Je ne m'appelle pas ça un mouvement politique, je m'appelle ça un cafouillage politique. Le mot d'ordre, c'était manifestation pacifique pour demander des comptes sur l'utilisation de l'argent Petro-Caribé. Une semaine ou deux avant cette échéance, ça a été appel à l'insurrection nationale. Alors qu'avant, c'était appel aux citoyens pour descendre dans la rue, pour manifester notre attachement à des valeurs démocratiques, à la fin, le mot d'ordre, c'était tout pour nous la caillou, parce que des pourpoints la rue, ça soit prend ses paroles. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est l'appel à la participation. Dès l'instant que vous commencez à faire mon peu, ça veut dire que tu entres dans. Ben, ça a un nom sur le plan international. Il y a ça le terrorisme. On fait mon peu. On menacé. On a un sentiment que. C'est au mettre béton. La politique, ce n'est pas mettre béton. La politique, c'est mettre question. La politique, c'est gain des arguments, gain des concepts pour décrypter une situation nouvelle. Et c'est peut-être ça que moi-même, moi, considéré que tout débordement de violence, d'où que ça vienne, là, sont échecs du mouvement Petro-Caribé que la pierre. Déplorer, ce n'est pas le mot. Parce que l'on a déploré, ça veut dire que on regrette. Non, l'histoire étant ce qu'elle est, vous faites pour prendre les faits bruts tels qu'ils se présentent. Qu'on y a là, bon bilan pour faire, bon analyse qui peut faire pour dire par rapport à mouvement qui était initié au départ là, est-ce que évolution ça, il peut mettre ou approfondir dans le sens qu'ils apprennent l'air ou au contraire son bac qui fait le fait. Moi-même, moi, je dis son bac qui fait le fait. Son bac qui fait mouvement fait, son bac qui fait nous tout fait parce que nous venons retrouver nous encore, comme on dit, 200 ans après l'indépendance à devoir rebrasser les cartes. Alors que, bon élection que faite, président a un mandat, quitter le fait mandat, Kounyala, c'est poser des questions démocratiques, c'est que chaque élément du pouvoir, aussi bien les trois pouvoirs institutionnels, mais également la société civile, mais également les intellectuels, nous-mêmes qui l'a cap gardé, cap réfléchi, nous faites pour nous capables poser nos mandataires des questions sans que nous pas obligés de dire. Ou est-ce que vous êtes capable de mettre en l'autre. Parce que c'est pas ça la responsabilité. Ça, c'est la fuite en avant. C'est la politique de Bouki qui consiste à dire ça n'a pas bon, ou est-ce que vous mettez en l'autre. Non, non. Si ça n'a pas bon, si ça a fait un bagage qui n'est pas codium, c'est pour le dire. Pour qui ça? C'est pour me corriger. Et si éventuellement vous avez des responsabilités, il faut que vous ayez des sanctions qui prend par rapport à Mounsa. Ce n'est pas vous et le jeton de l'autre côté qui n'est pas en garantie pour personne. Nous avons 200 ans. Nous avons peur. Fait type de pratique ça, courir derrière un pour capable mettre en l'autre. Or chaque sac vigno, il n'est pas venu ni avec un programme, ni avec le soupçon de conviction que il est plus vertueux que ça que tu es là avant. Nous fatiguer avec ça. Nous-mêmes nous voulons dire pour que le débat démocratique là, les fait avec des mots, avec des concepts. Parce que il prend le peuple là, tant qu'on bande bouquet, tant que c'est seul la violence qu'il comprend. C'est pas vrai. Si vous parlez avec Mounio, la bonne langue pour comprendre, il y a pour comprendre des arguments aussi éthérés
que si c'est en français ou bien en latin, t'as parlé avec eux. Parce que peuple ça, elle pas imbécile. Faut que nous ouvrons pays pour investissement. Faut que nous ouvrons pays pour petit pays, qu'a joué pays. Pays a pas qu'à nous fermer. Mais pour l'ouvrir, nous avons bagarre pour nous faire. Faut que nous rentrions dans sa roule dialogue. Faut que nous sonnions l'ambi rassemblement. Faut trois pouvoirs yo et accepter travail une avec l'autre. C'est pas une à exploiter l'autre parce que nous même c'est ça nous ouais. Nous ouais que gain exécutif là et lui-même li c'est kakou li yo prendre en otage parlement prendre en otage. L'op garde non bagarre a fait député ak sénateur boté tout kakou l'autre monde nan nation bagarre vive, pas gain droit vivre yo même. L'on a gardé yon bagay ap fèt et parlement li même li vin tout non super pouvoir et nan mitan lot yo c'est tout temps gon bagay yo les négociations mais négociation c'est débat ba moun nous pas capable non situation pareille pouvoir judiciaire là qui c'est l'autre pouvoir li même li tout non pouvoir de raquette. Raquette ou temps en temps entendons juge non scandale temps en temps ou tendez non juge a blanchi cob a faire une série de bagailles. Haïti trop riche pour le pauvre et nous pauvres c'est parce que nous pauvres en esprit nous pauvres parce que son seul bagaille qui intéresse nous c'est fait cob mais fait cob et kakou des opportunistes et n'a cherché opportunité le nous pas joindre opportunité nous créer pour nous faire cob c'est bagaille moun besoin pour vivre pays a fok économie stable pour capable un pays prospère mais pas gain rien qui dit que c'est l'argent qui pour devant gain l'autre bagaille qui plus important valeur essentielle nation ça valeur fondamentale yo c'est la dedans yo pour nous tourner faut que nous tourner dans culture nous pour nous connait qui est nous yé pour nous faire pays nous marcher je dis à c'est cri pas nous ça dans secteur vaudois petit pays a en mettre main nous pas ca gagne des éternels oppresseurs et puis des éternels opposants. Faut qu'on la situation nous changer. Faut que bagay yo viré. Opposition pas veut dire violence. D'ailleurs, violence pas construit pays. Si violence te construit pays, Haïti tap loin. Nous garder au lieu nous avancer, c'est bac nous fait. Pas gen un yen, yon président passé déjà. Te fait ou joindre là. Yo cherchon jan, yo craser, yo marginaliser parce que nous yon pas d'accord à l'autre. Songez bois caïman, nan bois caïman zansèt nou pas d'accord à l'autre, mais yo te prend yon résolution pour yo vivre ensemble. Pour yo c'est ça que fait, yo même yo te vini avec l'union fait la force, mais en qualité de principe, pas de devise et pas de devise nous. C'était principe et colonne qui bat et on seul doit pas manger kalalou mais en pile chay palou c'était principe yoté principe ça yo si nous mettez en valeur si nous mettez en application nous pral wè jan Haïti capable tourner la perle retrouvée l'était la perle des Antilles c'est pas pour beauté l'était la perle des Antilles c'est parce que c'était parti que t'es pire riche qui t'es gagné dans Antilles nous t'es porté toute l'autre Antilles sous dos nous et ben jodi a n'a goumé pour Haïti tourner la perle retrouvée faut que nous rejoignent et suprématie que nous t'es gagné dans l'idée que qui traversait nous l'idée de liberté l'idée de droit l'idée de privilège que moun ka gagne comme moun faut que nous gagne suprématie dans façon que nous mener la vie nous parce que depuis on dit haïtien yo wè yon combattant moun ki remè travail moun ki remè fè jefò
pour avancer. C'est ça pour nous tourner. Nous pas capables des images que nous véhiculer nous-mêmes comme monde sous net yo, n'a montré que pays nous pas bon. Je nous pas aller là, pas bon. Haïti au plus bas. Il a demandé est-ce que gen moun nan pays ça? Gen moun. Nous gon jeunesse qui se relève cap courir pour pays a. Nan men qui est n'a quitté si nous pas travail pour bien-être yo. Nan men qui est n'a quitté Haïti nous-mêmes qui pralé yo. Nan men qui est n'a quitté Haïti. Je dis à nous gen pile question pour nous poser tête nous. Est-ce que ça cap fait là, c'est solution? Petro Caribe, oui. L'argent ça c'est petit moins que pas le payer parce que moi dois pas gagner temps payer moi même mais yo pas ce qui ça l'était fait pour yo pas grand chose mais est-ce que Petro Caribea doit mener ça relé guerre civile moi même moi c'est une guerre civile qui commencer dans pays est-ce que c'est pour bénéfice Haïti? Est-ce que c'est pour bénéfice moun sa yo nan la rue que n'ap travay? Non, on guerre civile pas profiter Haïti a rien. Nous gen droit revendiquer, nous gen droit manifester, n'ap fait ça, n'ap fait tan de voix nous, mais toujours dans la paix, toujours dans le respect et des biens des autres, toujours dans le respect des droits des autres parce que droit pas fini. Côté Paul a commencé. Nous avons 205 organisations vaudou que m'a dirigé dans le royaume vaudou d'Haïti. Moi salue toute organisation vaudou et tout ça qui est dans le royaume nous salue et me salue tout toute l'autre organisation vaudou qui pour rentrer dans le royaume. Et qui travaille tout pour mener vaudou aller à bon port et moi dis aïe bobo. Bon normalement nous vivons vraiment dans un moment ça côté qui est en crise qui sont crise politique. Bon, nous-mêmes, en tant que responsables vaudouan dans le secteur vaudouan, nous pas qu'à dire bas et nous pas qu'à dire vu tout. Mais nous sommes toujours d'accord pour gagner ça, nous chita parler, nous tête ensemble. Côté que pour nous chita, sur un bagaille positif qui a l'avantage tout le monde. Indistinctement, côté que l'église qui a jeune parti pâle, vaudou qui a jeune parti pâle, et secteur politique là qu'a jeune parti pal pouvoir en place parti pal et tout le monde indistinctement dans pays capable rejoindre son seul but son seul objectif et nous capable gagner orientation positive qui capable sauver nous tout ensemble et sauver pays parce que les ancêtres pas de gourmet pour que nous tenions division les ancêtres pas de gourmet pour nous n'a gourmet clotte les ancêtres pas de gourmet pour payer ça, pas gagner respect une pour l'autre, pas gagner l'union, fait la force. Eh bien, comme étant donné qu'il y a une conjoncture qui vient en place, qui a un problème, côté que Mounio, ça a demandé Petro Caribe et justice, ça a demandé, bon, ça qui a besoin d'arriver au pouvoir tout, et ça qui dit que ça qui là pour aller, pour l'autre venir. Mais moi-même, moi ouais, plutôt, c'est à voir chita ensemble. Côté tout acteur politique yo, et pouvoir en place, députés, sénateurs, cour de cassation, tout le monde ensemble, nous chita ensemble, son table ronde, côté président lui-même t'a doué, alors font appel avec tout responsable, toute force vive qui est dans le pays, parce que nous tous comptons. Parce que graine pas battre, c'est colonne qui bat. Ce n'est pas un groupe de petits amis, un groupe de petits amis, un groupe de petits là. Mais c'est nous tous ensemble capables de chita et puis nous sortons en solution. Et solution, la pas l'avantage de tout le monde, la pour pays, la pour l'église, la pour vaudou, la pour secteur politique, là, la pour opposition, la pour pouvoir en place et la pour tout le monde sans distinction. Ça veut dire pas gagner, pas pi bon. C'est nous pi bon, c'est laisser nous faux. Laisser pas pi bon, pas fort ou pas fort tout. Mais l'aime fort, nous sommes forts. Les ça, n'a pas capable de nous. Il y a une solution. Et côté que les mots d'entier battent bravo. Et tout le monde est content. Parce que malheureusement, dans la rue, il y a un grand goût, il y a des problèmes. Et je ne veux pas dire si gagner, si je répète ça, eh bien, grand goût est capable de venir plus raide. Mais je pense que ni eux-mêmes qui sont dans la rue, qui ont demandé, ils ont raison tout. Parce que chaque monde qui parle, l'opposition a raison de parler. Population
qui a demandé justice, il y a raison pas. Pour vous en place, il y a raison pas. Et tout le monde ensemble, il y a chacun raison. Mais nous compléter toutes raisons ensemble. Et puis pour nous mettre sur la table pour nous boire ensemble. Et pour nous sortir avec un bagage concret, un bagage collectif. Laissez nous tout à sentir nous mieux. Nous tout à sentir nous joindre. Il laisse bien sécurité dans le pays. Hein. A bien la paix, a bien tranquillité, a bien joie. Peut-être un jour, génio, cap pour mener monter descendre, qui finit terminer étudio, université, y a pas qu'à joindre travail, y a pas qu'à joindre rien. Et même penser avec ça, capable de bagay qui vini, peut-être y a qu'à bénéficier de bagay tout. Bon, pour moi pour la paix, moi pour l'union, moi pour être ensemble, moi pour chita parler. En tant que roi vaudou haïtien, en tant que chef vaudou haïtien, en tant que secteur vaudou haïtien, hein, nous-mêmes nous dit chita parler, à me penser c'est lui-même qui t'a mené nous. Puis bon, à bon port, en prenant un exemple, il a demandé pour le gouvernement aller. Si le gouvernement aller, après, ça va venir pour aller, l'autre qui va aller pour aller tout. Mais ça, nous pas besoin de ça. Eh bien, on regarde comment on arrange les choses, comment on arrange les choses pour que nous tous, ni opposition, ni pouvoir en place, ni secteur politique, là, ni secteur privé, là, parce que nous tout important. Secteur privé est important. Parce que nous là, nous avons des moyens. Ils sont capables de faire du travail, ils sont capables d'aider les peuples, collecter avec le pouvoir en place, ils sont capables de chiter ensemble pour nous faire un consensus. Et puis, côté que je pense que la paix qui a régné, et c'est la paix à nos besoins, c'est être ensemble qui est bon pour nous tous. Parce que chaque monde qui sort, il y a des gens qui mourent, il n'est pas bon pour nous. Pourquoi il n'est pas bon pour nous? Parce que pour moi, c'est que pour moi, rêve pas, vision pas, c'est d'avoir plutôt nous bon chiter à parler. Pour nous, peut-être, si le président lui-même n'est pas t'as d'accord, si tu as parlé, ça c'est l'autre bagaille. Mais si il est d'accord, si tu as parlé, eh bien, qui est-ce que tu as parlé? Situation globale, pays, elle concerne tous les citoyens. Moi-même également, moi-même Jimmy Pierre, son situation qui est nous à cœur, parce que vie sociale, nous, vie que nous besoin pour que nous vivions chaque jour, il pas qu'à kembe en état avec situation politique chaque jour. Donc, li nuit à nous-mêmes comme citoyens, même gens nuit nous le fait que fonctionnement nous li dépend de bon fonctionnement société a, bon fonctionnement en dans communauté de base yo. Donc vraiment, on va comprendre que situation élève l'école, situation étudiant qui doit fréquenter espace scolaire, qui doit fréquenter l'école yo pour que aller dans l'université, moun ki gen ti travail pour yo faire, yo bloqué. Et justement, nous sommes en pause, que nous pas qu'on est, nous sous pause là pour combien de temps? Ça fait déjà 4 jours, depuis que citoyens pas qu'à vacuer dans l'activité, et ça pose problème. Ça dérange nous. Ça pas qu'un bien nous bien en tant que citoyens qui t'a aimé, ouais, vie en dans communauté de base, nous. Proposition? Proposition, Pam, premièrement, c'est acteur politique, yo. Que le de côté l'opposition, de côté pouvoir en place là, c'est garder. Qui moyen qui existait pour que nous fassions vraiment un espace de discussion entre l'opposition et pouvoir en place là, à l'autre secteur tout qui fait vie nation. Maintenant, il est fondamental pour que tout le monde essaie chita, non seulement sous terrain dialogue que moi qui est en initié beaucoup de gouvernements, mais pour nous garder vraiment qui ça n'a pas de priorité. Est-ce que c'est intérêt, mais ce qui est intérêt individuel yo, ou intérêt pour que pays ça ira long souffle. Donc nous croyons que ça c'est question que moun yo de poser, acteurs politiques yo de poser. Moi même proposition c'est mené yo sous proposition pour regarder comment yo même yo capable d'entrer sur un terrain de dialogue pour que yo youn tande l'autre, parce que là nous youn n'en pointe pas nous youn pas aller joindre l'autre pour nous tande l'autre. Eh bien vide là toujours été parce que nous pas gain échange. Moi même Jimmy Pierre n'a demandé pour que et de côté de l'opposition et de côté pouvoir en place là et d'autres secteurs qui impliqués en dedans ça qui relait pression ou sinon j'aime tande yo di gens que monsieur ou parler matin m'a tande à travers les ondes de radio que gien des positions qui prend pour que yo zipé pays ya. Au lieu que nous zipé moun yo dans fonctionnement en activité que yo gien droit pour yo faire, nous lançons appel à l'opposition à pouvoir en place là pour que on initié yon terrain de dialogue ensemble et pour que yo bay chance avec tout secteur yo, tout moun qui fait partie vie en dans pays d'Haïti, chance pour évoluer, pour que ti moun capable aller l'école et pour que tout secteur capable continuer vivre dans vie que habitué initié en dans
en la communauté de base. Pour réseau régional métropolitain, opérateur privé après faire production ou bien distribution commercialisation. C'est important, puisqu'en fait, avant tout le monde connaît, et des opérateurs publics et qui te gagné rôle là à Tébali pour te vendre courant en d'un pays. Kounia décret à permettre quel que soit entrepreneur qui est intéressé à faire courant ou qu'à travailler avec un ancien pour produire courant pour transporter le pour vendre. Et groupe 2 à lui-même, groupe 2 à qui c'est l'autre groupe nous t'a parlé, l'autre 8 régions nous t'a parlé eux-mêmes. Opérateur qui pral gagner pour l'opérer réseau régional ça yo, yo pral gagner pour yo même faire un contrat avec l'État qui a plusieurs formes et yo pral gagner pour yo produire courant dans zone ça on t'a parlé là, passer sur réseau EDH là à travers un contrat avec EDH et arriver vendre courant. Autrement dit, il y a pral producteur et aussi yo pral monde qui a distribué et qui a vendre courant. Et pour nous dire pour première étape ça, l'important pour tout le monde comprendre qui est le gouvernement. Le gouvernement déjà lancé déjà appel d'offres pour réseaux régionaux. Et dans l'appel d'offres ça, nous avons lancé. Il y a plusieurs compagnies déjà qui préqualifiées pour capable venir aider nous faire investissement en dans le secteur énergie. Donc là, la plus grosse nouvelle bah, c'est, et tout que nous sommes capables d'annoncer, c'est que dans l'appel d'offres ça, des constructions de gros tontons centrales thermiques qui sont centrales de 300 MW qui pourraient fonctionner avec gaz naturel et tout le monde connaît c'est dans la zone Lafito, dans la zone Saint-Christophe, bien commune Cabaret, que gros tontons centrales pourraient mettre li. Et centrale ça nous déjà fait appel d'offres déjà et pour production et nous avons plusieurs et compagnies qui peuvent qualifier pour ça fait. Bon, gaz naturel, pourquoi? Donc, c'est pas technique, on va avancer sur lui rapidement. Zone métropolitaine et cette réseau, qui ça a fait Kounia? On a préhabilité ligne Péligle, tout le monde ligne Péligle. On a construit de nouvelles lignes de transport 115 et 69 kV. On a construit de nouvelles sous-stations. Plan pour nous réhabiliter en pile sous-station et poste de transformation. Plan pour créer un nouveau dispatching. Dispatching, c'est lui-même qui assure le contrôle des affaires énergie. En fait, même du contrôle là. Si besoin, rassure-moi que je communique avec plusieurs points pour distribuer comment ça va être dispatching. Pour qu'on commence de contrôle de l'énergie électrique dans le pays. Et ma préhabilité, ligne moyenne, tension, basse tension. Qui modèle d'affaires l'État va mettre en place? L'État met des sociétés anonymes comme partenariat. Concession sur 15 à 20 ans comme politique et contrat de gestion. Et réseau régional, j'aime t'expliquer tout à l'heure, quand on appelle l'offre qui fait sur 84 communes, appel après qualification, nous avons 36 candidats et 26 firmes qui présélectionnées par l'ANAC pour deuxième et tour. Là. Et nous avons 21 firmes et pour 8 régions, sauf région métropolitaine. Et pour réseau métropolitain, ou bien 10 films uniquement pour composants de production, pour tout le monde comprendre ça, parce que nous avons dit qu'il y a plusieurs composantes dans le réseau, ou bien 10 films qui préqualifient pour production, qui prennent en compétition sous centrale, nous avons parlé tout à l'heure, ou bien 7 films qui sont intéressés à tous les composants, qui sont intéressés non seulement produits, qui sont intéressés à vendre courant, tout, et ou bien 2 films seulement qui sont intéressés seulement à composants de distribution et production. Maintenant, moment question, tout le monde doit poser, et avec raison, qui côté nous pourrons jouer une COP pour nous préparer le réseau pour nous capable mettre centrale 300 MW que nous avons parlé à là. Je crois que il était annoncé déjà sur le journal, je vais prendre pour moun. Il y a une discussion qui a fait, gouvernement Moïse a fait avec le gouvernement Taïwan sur comment nous sommes capables de financer le réseau métropolitain. Eh bien, bonne nouvelle que nous avons annoncé, c'est que la discussion ça est finie et que ce processus administratif qu'a fait dans l'État pour permettre que COP ça vienne disponible, c'est un montant que me confirmé de 150 millions de dollars qui pourra être disponible pour capable mettre en place toute infrastructure nécessaire pour nous faire centrale, pour nous mettre faire centrale 300 MW là et pour nous créer 51 micro-réseaux en dans pays, à l'aide du micro-réseau pour nous créer infrastructure de distribution
et infrastructure de distribution, que ce soit moyenne tension, que ce soit basse tension. Donc, parce que je connais, c'est un problème que tout le monde a parlé de lui. Donc, tout étudiant fini, tout étudiant fini, étude pour nous mettre en ligne, il est fini, étude pour nous rénover sous station, il est fini. Donc, on y a, nous allons passer à la phase qui est importante en pile, qui est la phase de mise en œuvre. Et là, l'État haïtien, effectivement, est en train de suivre, de remplir toutes conditions que la loi a demandé pour ça, comment ça a supposé faire. Et sa information technique importante, c'est que 150 millions de dollars, ça, pour aller pour préparer réseau, réparer réseau métropolitain, parce que automatiquement, vous augmentez demande là, il faut refaire ligne, parce que faut porter l'énergie à la Kaimounio, il faut refaire ligne, faut refaire plusieurs et points d'échange en dedans et plein. Et puis axe 2 là, nous voilà rapidement sur lui, c'est axe micro réseau a touché 64 communes. Donc tout le monde, moi c'est quoi qui est très important, parce que m'a suivre réseau de près pour tout le monde comprendre le message je dis, c'est que toute commune dans le pays a bien réseau là-dedans. T'as là me parler de 84 communes qui t'a bien gros réseau, résumer les réseaux régionaux, qu'on même parler de 64 communes qui a bien petit réseau là-dedans. Le 64 tout réseau, 62 communes, 62 communes, 62 communes plus 84 communes, tout 146 communes, toute commune dans le pays a bien réseau. Il y a qui a bien gros réseau, il y a qui a bien petit réseau, et ces petits réseaux ça que nous des mini réseaux. Et nous avons 8 villes dans le pays, mini réseau, c'est pas qui nous voulons dans le pays. C'est-à-dire que l'homme dit que c'est impossible pour mettre des mini réseaux dans le pays. On dit que j'en souris, puisque le pays a des mini réseaux qui marchent déjà, côté monde qui est courant. Ou bien 8 mini réseaux qui marchent, qui sont dans 8 centres villes, ou bien mini réseaux qui marchent, ou bien les Iwa, ou bien les Anglais, ou bien Koto, ou bien Rochabato, ou bien Port-Rapiment, ou bien Mol Saint-Nicolas, ou bien Bombard de police et ou bien Jean Rabel. Faut tout le monde bien comprendre, on parle de 8 mini réseaux. On va dire que il y a 8 communes dans le pays à gain courant, on dit qu'il y a 8 communes côté gain micro réseau. Donc il y a l'autre commune différente ça même dans gros réseau. Donc comme c'est mini réseau, on va parler, uniquement de 8 là. Ou bien 3 mini réseaux qu'a construit dans pas la voilà là. On regarde Saint-Louis du Nord après que réseau a bon déjà une production disponible du Saint-Louis du Nord. Il y a pris le problème compteur pour alimenter mon rapidement. Parce que ce n'est pas bail à bail courant, mais c'est mettre à payer disponible pour mon capé pour lui. Ou il y a un petit bureau qui est en construction pour nous et ou il y a un dondon. Et ça veut dire que l'État a 51 micro-réseaux pour le construire et à travers les 10 départements et du pays. Donc, on va passer rapidement. Ça, c'était grave technique qui montre au côté réseau Sabralier, tout étude qui est en fait, qui montre combien qui longueur ligne a bien, que soit ligne, que soit que qui longueur ligne réseau a bien. Donc, ça, c'est étude préliminaire. Nous allons passer rapidement et sous yo. Ensuite, sa qualité, c'est tout le monde. C'est qui monte. Comment on a mis mini réseau en place? Mini réseau, yo sep. Nous t'ai fait présentation de Jamondana et nous remercions la presse qui vient couvrir l'événement. Nous t'ai dit que le réseau ça va le mettre en place à travers des contrats, ça n'est le langage français, des concessions de services publics. Concessions ça va le faire entre développeurs, qui est comme là, et ministère là. Et ensuite, comme nous connaissons le mettre mini réseau, c'est en dedans, en localité, en municipal de Walmedel, nous t'ai pris à cœur que Méria intégrer structure de gouvernance. Et ça fait nous faire deux bagailles, nous faire deux outils légaux. Nous premier outils qui sont contrat entre régulateurs, entre développeurs, qui est Cobla et TPTC qui représente l'État en dans contrat. Et deuxième, c'était un mémorandum de gouvernance, un contrat, un protocole d'accord qui impliquait trois personnes là-dedans, qui sont développeurs, qui sont municipalités et qui sont ministères. Et comment ça va le faire pour tout le monde comprendre? L'État a vini l'étape construire réseau, je vous ai expliqué tout à l'heure déjà un montant qui est disponible en dans Fontaine One pour nous faire ça. L'étape va vini mettre réseau en place, construire réseau et privé va venir avec cobli lui-même pour le produire courant et puis pour le vendre courant. Et nous dit tout réseau ça va fait, tout mini réseau ça fait à partir de l'énergie qui propre, solaire, photovoltaïque, hydro, biomasse et éolien. Et commercialisation a fait à partir des compteurs qui est extrêmement performant, que nous les compteurs intelligents qui permet tout même ou capable de payer avant ou bien ou capable payer avant pour courant.
C'est machine ça qui cher ministre qui est sous libre, oui cher ministre qui était campé dans monde là, et puis moi l'a venu li calé, et puis kounya la machine la police a même nous était campé d'elle, et puis machine la police a frappé machine pas nous, et comme ça il est là, oui machine la police qui frappé pas nous, et bac il t'a fait oui pour capable inviter camion ministre, et puis nous même nous était campé d'elle là, et puis kounya la lui même il venu il frappé nous. OK. C'est vous qui aidez ou qui aidez ou en dit fait travail ça là, déplacement tout ça? Oui, moi et ensemble nous, et ensemble nous, bon, même nous allons quitter, nous allons arrêter encore, non? Attendez, et bien nous allons pas de problème, non? Thank you.